Inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé, les projets régionaux de santé de la Bourgogne et de la Franche-Comté comprennent un axe sur le parcours de soins des personnes âgées. Ils se basent sur deux pistes, à savoir organiser le parcours de santé et travailler sur des prototypes. Donc à partir de ces deux pistes de réflexion, ça a donné le schéma directeur du projet. Donc on est parti sur l'idée de faire une expérimentation sur des territoire géographiquement proche d'un bassin de vie, donc de procéder par expérimentation. Voilà. Et autour de la qualité de vie de la personne âgée, c'est-à-dire que le titre exact du projet, c'est pas le parcours de santé de la personne âgée, mais c'est mettre la qualité de vie au cœur du parcours de santé de la personne âgée. Et vraiment, ça a été l'axe directeur du projet tout au long de l'expérimentation. Donc ensuite, une fois que l'objectif était déterminé, il fallait le mettre en œuvre. Et d'emblée, le principe a été posé de travailler avec l'ensemble des acteurs du secteur gérontologique des quatre départements de la région, de manière à explorer ensemble quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient au quotidien sur l'ensemble du territoire franc-comtois et quelles pistes d'amélioration on pouvait mettre en place pour essayer d'améliorer et d'éviter les ruptures de parcours. L'ARS Franche-Comté a réuni lors d'un séminaire l'ensemble des professionnels de santé. À partir de leurs réflexions, un cahier des charges a été établi afin de sélectionner quatre sites d'expérimentation des nouveaux modes d'organisation permettant d'éviter les ruptures de parcours. Le centre hospitalier de Morteau fait partie des quatre sites choisis en partenariat avec le centre hospitalier de Pontarlier et le réseau de santé ARESPA. Qu'est-ce qu'on veut dans ce projet? C'est repérer les fragilités le plus rapidement possible, éviter les points de rupture, ne pas adresser aux urgences des personnes âgées très fragilisées, mais essayer d'agir différemment, d'anticiper, de mettre en place, c'est ce que nous avons fait, des consultations gériatriques et de programmer des séjours d'hospitalisation. D'agir donc en amont et en aval des hospitalisations. Je reviens à la place stratégique du médecin généraliste dont nous avons déjà parlé. Il est en première ligne pour repérer ces fragilités, mais bien souvent, la personne âgée, par pudeur et par dignité, va parler de sa souffrance, de sa maladie, peut-être dans son isolement, mais elle va faire un effort pour un peu masquer ses fragilités. Et la gériatre Christelle Lapierre a organisé, sur le site du centre hospitalier de Morteau, une petite session de formation, information à l'attention des médecins généralistes avec un questionnaire très court qui permet rapidement de déceler ces fragilités et d'articuler un dispositif qui va permettre d'une part une qualité de vie dans le maintien à domicile, mais également de maintenir de l'autonomie, de restaurer du lien social, de bien vivre chez soi le plus longtemps possible et d'être hospitalisé réellement quand on en a uniquement besoin sur des temps très courts. En Bourgogne, ce sont pas moins de 12 sites qui expérimentent des réponses innovantes aux problèmes que peut rencontrer le senior au sein de son parcours de soins entre l'ambulatoire, l'hospitalier ou encore le médico-social. On est parti sur des tests de 3 ans, donc on va faire. Ça s'est mis en place en 2012, donc officiellement ça a démarré pour 2013, 2014, 2015. Et puis il y a également d'autres expérimentations, mais là c'est un petit peu plus spécifique et plus poussé. C'est ce qu'on appelle le PARPA, donc c'est un dispositif pour les personnes âgées en risque de perte d'autonomie, PARPA. Là, c'est toujours la loi de financement de la sécurité sociale, mais celle de 2013 cette fois, qui permet sur certains territoires d'avoir vraiment des projets pilotes et d'expérimenter de nouveaux modes de tarification pour les professionnels. Par exemple, quand les professionnels vont se mettre ensemble à 2 ou 3, donc médecins, infirmières et kinés, autour d'un plan personnalisé de soins pour la personne âgée qui va dire cette personne, pour bien rester à son domicile dans de bonnes conditions, elle a besoin du passage quotidien d'une aide aménagère, que son kiné vienne 3 fois par semaine pour la faire marcher, enfin, je ne sais quoi. C'est l'idée d'une rémunération collective. Donc chaque PPS
plan personnalisé de santé, pourrait être rémunéré en fait 100 euros à faire partager entre les professionnels. Et ça, c'est assez novateur parce qu'on est quand même dans un système où c'est le financement à l'acte individuel de chaque profession. Donc là, on amorce d'ores et déjà un financement plus collectif pour la qualité, une prise en charge coordonnée et simultanée de la personne âgée. Toutes ces démarches s'inscrivent dans une logique d'amélioration de l'accès aux soins, notamment dans les zones rurales. Parallèlement, l'ARS de Bourgogne fait appel à différents partenaires dans le cadre des CEPOM. Alors le CEPOM, c'est un outil de contractualisation, donc ça veut dire contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et c'est un outil que l'ARS utilise avec l'ensemble de ses partenaires, que ce soit les centres hospitaliers, les structures dites ambulatoires comme réseau ou maison de santé, et certains partenaires comme justement le pôle de gérontologie interrégionale, qui est donc signataire d'un CEPOM pour le dispositif OMEGA. Alors c'est encore un sigle OMEGA qui veut dire objectif, mieux-être, grand âge, hébergement. En fait, ça vise les personnes qui sont en institution, donc en EHPAD, hein, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On a beaucoup de sigles hein, dans notre domaine. Et sur la période 2013-2018, en fait, on va essayer de déployer un certain nombre de modules pour la prévention, que ce soit de la stimulation cognitive, la prévention des chutes, parce qu'on sait que ce sont des facteurs majeurs d'hospitalisation des personnes âgées, les chutes, la prévention pour lutter contre la dénutrition, ou bien encore l'amélioration de la santé bucco-dentaire. Et le PJI, en fait, regroupe un certain nombre de partenaires qui sont en fait garants de la réalisation de ces modules, comme la Mutualité française bourguignonne, la CARSAT ou la Caisse régionale de MSA, qui chacune vont faire un ou deux modules. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.